J'ai parlé avec le médecin, tu viens de faire une crise cardiaque, ton état est sérieux, mais nullement alarmant. Ne me parle pas comme un gâteux. Les jambes sont mortes, les reins aussi, mais le cigare fonctionne. Alors profitons-en pour parler sérieusement. Tu as quitté cette maison il y a 40 ans. On m'a foutu à la porte! Je ne peux pas juger des raisons qui ont déterminé père à t'éloigner. Tu reviens dans cette maison, c'est ton droit. Mais puis-je te demander pourquoi? Pour mourir dans les bras de mon frère. Je te dis pas non sérieusement. Je suis revenu pour t'emmerder. Donc c'est fait. Ensuite. Moi ou quoi? Tu sais quelle heure il est? Pourquoi? Parce que si tu veux qu'on bouffe une heure, t'as 10 minutes pour faire les courses, mettre la table et faire le frichetti. Oh bah c'est bien la peine que je me grève alors. Hein? Bah oui, je me suis fait les ongles, je me suis lavé la tête. Je pensais qu'on irait au resto. Eh bah tu t'es trompé, hein? Voilà, on est déjà avec tes 3 fois le dernier coup au resto. Alors je trouve que ça suffit comme ça, non? Oh bah dis donc, ce que tu peux être radin? Oh je suis pas radin, je suis fragile. Et la cuisine de la mère Camille, tiens, jusque là j'en ai. Et puis c'est pas celle du cuistot qui arrange les choses, hein? Oh puis dis, écoute, ça va comme ça, hein? Tu vas aller acheter 2 bifteks, les faire cuire, et puis c'est marre. Oh, petit don là, oh, je suis ni ta bonne ni ta femme, tu pourrais me parler autrement. Ben, c'est vrai ça. Alors tu rentres après 15 jours, tu m'embrasses même pas. Tu me dis même pas bonjour. Tu pourras au moins me demander comment je vais, avant de m'engueuler avec tes beefsteaks. Tu penses plus qu'à bouffer. Comment tu vas? Bien. Bon, alors avec toi et grouille, le boucher va te permettre, quoi. C'est une valse, hein? Bah, c'est pas une valse. Oui, bah, ça va en aller. Là-bas, hein? Allez, hop! Madame, je t'en fous, moi, du phonographe et du vernis à ongles.